إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله شفيع الأمة أدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيله حتى أتاه اليقين اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى أتباعه أجمعين أما بعد كلامنا اليوم عن آداب المسجد عباد الله قد حثت الإسلام على محبة المساجد وتعظيمها واحترامها لأنها بيوت الله سبحانه بنيت لذكره وعبادته وتلاوة كتابه وتعارف أتباعه لكي تعمل هذه الأماكن كما ينبغي نحن بحاجة إلى قواعد وآداب ومن أهمها أولاً أن تدخل برجلك اليمنى وتقول بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم افتح لي أبواب رحمتك وأيضاً أن تدخل المسجد بسكينة ووقار عن أبي قتادة رضي الله عنه قال بينما نحن نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم إذ سمع جلبة رجال فلما صلى قال ما شأنكم قالوا استعجلنا إلى الصلاة قال فلا تفعلوا إذا أتيتم الصلاة فعليكم بالسكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا رواه البخاري ثانياً ينبغي أن يكون المسجد على أكمل صورة على النظافة أكمل صورة في النظافة تعظيماً لشأنه أخي المؤمن شارك في تنظيفها وتقبيها يا أخي المسلم Cher fidèle, comment nous devons nous comporter dans les mosquées et notre sujet de prêche d'aujourd'hui. Nous avons tous besoin d'une maison pour se reposer. Tous nous avons besoin d'un travail pour vivre, pour gagner notre vie. Et bien que c'est de la même façon que notre âme a besoin de la mosquée pour augmenter la foi, notre âme a besoin de la mosquée pour se ressourcer. Il y a une relation particulière, vraiment particulière, entre le cœur du croyant et la mosquée. On ne peut pas dissocier ces deux, parce qu'il est attaché à la mosquée, le croyant. Mais malheureusement, beaucoup de personnes de nos jours négligent la prière en commun. Nos mosquées sont pleines presque uniquement le vendredi. Ou parfois, à certaines occasions, notamment les deux fêtes, Eid al-Fitr et Eid al-Adha. La mosquée est un lieu sacré. La mosquée est un lieu de partage. La mosquée est un lieu de joie. La mosquée est un lieu de savoir. C'est pour toutes ces raisons que nous devons nous comporter en toute sérénité. Chaque lieu qui regroupe des personnes a ses propres règles. Pour que nous puissions profiter pleinement, nous aussi, de nos mosquées, voici quelques recommandations. La première recommandation, c'est qu'on rentre avec le pied droit tout en récitant cette invocation, dire « Bismillah,
والصلاة والسلام على رسول الله اللهم افتح لي أبواب رحمتك. Première des choses. Maintenant, quand on rentre dans la mosquée, nous devons rentrer avec douceur. On ne fait pas de bruit pour rattraper l'imam. Quand l'imam est en train de faire la prière, souvent on entend des personnes qui courent. Parce que pour eux, quand l'imam est au recours, il faut le rattraper tout de suite. Ça ne se fait pas. Car notre bien-aimé sallallahu alayhi wa sallam, d'après Abu Qatada, un jour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Abu Qatada priait avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et subitement le prophète a entendu des pas, des personnes qui marchaient très vite. Le prophète dit, Masha'nukum, qu'est-ce qui vous arrive? Pourquoi vous faites ça? Un compagnon a dit au prophète, on s'est précipité pour la prière. Et le prophète leur dit, ne refaites plus jamais ça. Jamais. Venez doucement. Là où vous trouvez l'imam, faites la prière avec lui quand il termine. S'il y a des choses que vous avez ratées, essayez de la compenser. La deuxième recommandation, chers fidèles, c'est de bien veiller à la propreté de nos mosquées. De la même façon, chez nous, alhamdoulilah, c'est propre. On se donne le temps pour faire le nettoyage, pour nettoyer chez nous. De même, nous devons faire la même chose pour les mosquées, car les mosquées, c'est les maisons d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah, il nous dit, « Wa anna al-masajida lillah » Alors, celui qui veille à la propriété de la mosquée, la récompense, elle est énorme auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Thalithan, tusalli raka'atayn qabla an tajlisa tahiyatan lil masjid. Rabi'an, alla tarfa'a sawtaka bi kalamin wala jalaba ta'ziman lil masjid. تعظيما للمسجد ولئلا تشوش على المصلين أو قارئ القرآن من الأصوات المزعجة أصوات الهواتف النقالة فإن بعضا من الناس لا يهتم بإقفال هاتفه قبل دخوله للمسجد تهاونا أو ظنا منه أنه لا يتصل به أحد خامسا عدم المرور بين يدي المصلي واستحباب أن يأخذ المصلي سترة له ففي الصحيحين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف أربعين خيرا له من أن يمر بين يديه. Concernant les règles, la troisième règle que nous devons tous veiller à ne pas manquer, c'est de faire deux unités de prière, tahiyatul lil masjid. Quand on rentre dans une mosquée, la première des choses, c'est de faire deux unités de prière. Car notre bien-aimé sallallahu alayhi wa sallam nous interdit de s'asseoir avant de faire ces deux unités de prière, tahiyatul lil masjid. La quatrième règle, c'est de ne pas faire de bruit dans la mosquée pour que les mosquées deviennent calmes. Car les mosquées sont des lieux d'adoration, sont des lieux de récitation de Coran, sont des lieux de dars. Donc c'est des lieux qui ont besoin du calme, de la sérénité. Alors celui qui rentre dans la mosquée ou celui qui est dans la mosquée doit être calme de ne pas élever sa voix. Sinon, il risque de déranger ceux qui prient ou ceux qui récitent le Coran ou tout simplement ceux qui font le zikr. Le téléphone portable, aujourd'hui, dérange énormément dans nos mosquées. Parce que ça sonne. Parfois, ça sonne pendant la prière. Et nous savons, pendant ces temps, pendant la prière, on est concentré à qui?
Allah subhanahu wa ta'ala, on est connecté à Allah subhanahu wa ta'ala. Alors qu'on éteigne nos téléphones, ou au pire des cas, le mettre en mode silencieux, regardez celui qui prie, combien de fois il est connecté à son créateur Allah azza wa jal. Pas nos téléphones viennent s'insurger dans ce moment intime avec notre créateur. Que chacun fasse des efforts. Quand je rentre dans une mosquée, la première des choses, mon téléphone est éteint. Au pire des cas, le mettre en mode silencieux. La cinquième règle qu'on constate aujourd'hui, les gens sont vraiment pressés. Après, assalamu alaikum, hop, tout le monde sort de la mosquée aussitôt. Mais ce n'est pas la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète nous a enseigné plein de choses à faire après la prière, avant et après. Parmi ces choses, al-baqiyatu salihat, c'est des choses qu'il faut veiller, c'est des choses qu'il faut perpétuer. Et après, il y a sunanu rawatib, il y a plein de choses qu'il faut faire. Au pire des cas, tu ne peux pas le faire, mais attention, veille à ne pas traverser devant celui qui prie. C'est la moindre des choses. Car traverser devant celui qui prie, et c'est vraiment grave de faire attention à cela. Aujourd'hui, regardez, après la prière, on se précipite tous à la sortie, et parfois on ne fait pas attention à celui qui prie, on traverse devant. Donc c'est de faire attention à ça. Sixième chose, vous savez la mosquée, les mosquées aussi ont des voisins. Notre mosquée, le voisin de la mosquée, c'est juste en face de nous. C'est des personnes à mobilité réduite. C'est des personnes qui ont besoin de se garer à leurs emplacements. Nous avons juste le parking du centre commercial qui est énorme. On se gare là-bas. Ça nous évitera de gêner nos voisins juste en face. C'est une chose qu'on peut faire. Ce n'est pas qu'on se dise oui, c'est tel qui est concerné, moi je ne suis pas concerné. Tous nous sommes concernés. Tous nous devons faire ces efforts. Saadi San. Un jour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il faisait la prière. C'était un jumu'ah. Et il voyait une personne qui se précipitait pour occuper les premières places. Et le prophète, pendant le prêche, il dit « Ijlis faqad azaita ». Reste à ta place. Car tu crées de... Reste à ta place, tout simplement. Tu n'as pas à traverser devant les gens. Et aussi de faire attention de ne pas sortir entre le azan, une fois que le muazzin il fait le azan, c'est de ne pas sortir. Donc c'est de patienter avant de faire la prière. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati qina adhaban nar. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullaha min kulli dhanbin fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد شير فيدل parmi les conseils pour finir les conseils qu'on est en train de donner. Le sixième conseil, c'est de ne laisser pas de trous entre nous. Regardez quand l'imam dirige la prière, qu'est-ce qu'il dit ? Istawu yarhamkumullah. Ça fait partie de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est de se serrer orteil contre orteil. Aujourd'hui,
C'est quand même désolant de voir d'autres personnes, ils ne veulent pas qu'on se colle. Ils veulent toujours garder leur espace. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand je prends Omar ibn al-Khattab, quand il dirigeait la prière, il faisait le tour des rangs, voir est-ce que les rangs sont bien serrés. C'est une sunna. C'est des choses que nous pouvons faire. Parmi aussi ces conseils, c'est d'être patient dans la mosquée. Regardez, il ne reste que quand il est l'heure de faire le azan ou l'heure de diriger la prière, une minute de retard, qu'est-ce qui se passe? Chacun se met à regarder de gauche à droite. Gauche à droite, regardez, voilà. C'est la patience. On est dans la mosquée. Alors, qu'est-ce qu'on devait faire? C'est d'être patient, continuer son dhikr, réciter le Coran, faire ce qu'on a à faire. Un jour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était dans sa chambre. Et les compagnons, ils étaient dans la mosquée, ils ont attendu pour la prière de Isha. D'après Abu Huraira, ils somnolaient. C'est en ce temps que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est sorti pour diriger la prière. Aujourd'hui, je vois mal un imam qui fait ça, alors ça sera très difficile pour dire combien de fois on est impatient. Quand nous voulons sortir de la mosquée, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné aussi une invocation avant de sortir. Vous voyez, la vie du croyant, c'est une vie d'adoration. C'est une vie de rapprochement avec son Créateur, Allah Azza wa Jal. On se rapproche d'Allah par nos invocations. Par nos évocations. Avant de sortir, on dit « Allahumma inni as'aluka min fadlik » Allahumma asimni min ash-shaytani rajim. Oh Allah, protège-moi contre shaytan. Wa kafa billahi shahida, wa kafa billahi wakila. Tu cherches ta protection auprès de celui qui s'est protégé, tu seras vraiment bien protégé. Qu'est-ce qu'on avait, on a compris que dans les lieux, tous les lieux publics, quel que soit le lieu, que ce soit la mairie, à l'école, dans les gares, on respecte les règles. C'est la réalité. À l'hôpital, partout, dans tous les lieux publics, on respecte les règles. Faisons de même aussi dans nos mosquées. Regardons comment notre bien-aimé, qu'est-ce que nos bien-aimés sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné pour faire vivre nos mosquées. Respectons aussi ces règles. On n'oublie pas, on se voit 5 fois par jour. On prie ensemble 5 fois par jour. Alors, c'est par le respect que nous allons entretenir des bonnes relations. C'est par le respect que nous allons partager des moments de fraternité, de moments de convivialité. C'est par le respect des règles. C'est ainsi par le respect que chacun a un rôle à jouer. Chacun peut faire quelque chose. Le mal, c'est de dire que les autres sont concernés, moi je ne suis pas concerné. C'est ça le mal. Chacun peut faire des efforts, quel qu'il soit. Qu'il ait des responsabilités ou pas, il doit faire des efforts. Si chacun de nous fait ses efforts, nos mosquées, il y aura ce sakina, il y aura ces joies, il y aura des moments d'enseignement, des moments de recueillement dans nos mosquées pour finir que chacun a un rôle à jouer. Concernant les informations de votre mosquée, comme vous savez, nous avons des durous tout au long de la semaine. Le mercredi, nous avons un dars de hadith. Nous expliquons, nous interprétons les hadiths du bien-aimé sallallahu alayhi wa sallam. Et le mercredi suivant sera fiqh al-ibadat, apprendre à connaître Allah subhanahu wa ta'ala. Notre pratique religieuse,
Et un samedi, il y aura un dars de Coran. Ce sera l'exégèse du Saint-Coran, l'interprétation des versets. Et en même temps, des cours de tajwid. Et le samedi prochain sera un cours de sur les histoires des prophètes. Et ça, c'est la meilleure. Donc, c'est des cours qui sont disponibles et accessibles pour tout le monde, qu'on vienne avec nos enfants, avec nos familles, pour apprendre notre religion, car c'est le meilleur moment pour apprendre, les meilleurs lieux pour apprendre, c'est dans les mosquées. Et aussi, quelque chose qui nous tient beaucoup à cœur, comme vous savez tous, chaque parent est conscient des difficultés pour que son enfant trouve un stage. Beaucoup perdent leur année scolaire parce qu'ils n'ont pas trouvé de stage. Parmi nous, il y a des recruteurs. Parmi nous, il y a des chefs d'entreprise. Parmi nous, il y a des personnes qui peuvent toujours faire quelque chose. Qu'ils viennent nous voir pour aider ces jeunes afin qu'ils trouvent un stage à la fin de leurs études, inshallah, pour qu'ils puissent s'épanouir, pour qu'ils puissent avoir un métier. Et on n'oublie pas, le croyant est celui qui est équilibré, celui qui est dans le juste milieu. Allah, il dit, wala tansa nasibaka min ad-dunya. Donc chacun peut faire quelque chose. Si vous avez des connaissances, venez nous voir, barakallahu fikum, afin que nos jeunes puissent eux aussi s'insérer dans le milieu professionnel. أقول ما تسمعون واستغفر الله من كل ذنب فاستغفروه اللهم فرج هم المهمومين ونفذ كرب المكروبين وقضي الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم وفقنا كل ما تحبه وترضاه